En septembre 2018, Microsoft a fait un rebranding de VSTS. VSTS donc devient renommé Azure DevOps. Ainsi, TFS, Team Foundation Server, devient renommé Azure DevOps Server. Ce rebranding a été accompagné par des modifications sur l'interface graphique de VSTS. Donc là, la barre du menu qui était en haut avec VSTS, elle passe maintenant à gauche avec Azure DevOps. D'autres petites modifications ici sur le summary ou le résumé de l'exécution du build. Donc là, ils ont changé la manière dont on affiche les résultats du build. On pourrait toujours activer ou désactiver les nouvelles fonctionnalités en mode preview à partir de notre profil ici, preview features. Donc là, on a plein de fonctionnalités qu'on pourrait tester en mode preview. Dans cette vidéo, on va continuer donc à voir la menu de navigation en haut. Donc ça ne va rien changer puisqu'on va juste ici utiliser les deux options build et release sous une menu qui s'appellerait donc build and release. Bonjour les développeurs, dans cette vidéo on va voir comment créer les deux chaînes d'intégration continue et déploiement continu pour une application Angular. Pour cela, on va utiliser Visual Studio Team Services VSTS. Pour la chaîne d'intégration continue, dite aussi build, ce qu'on va faire, c'est utiliser une image pour builder l'application Angular, puis on va la publier sur Docker Hub. La deuxième phase, release, dite aussi continuous deployment, on va prendre l'image publiée sur Docker Hub et la publier sur une web app sur Azure. Commençons par la première étape qui est la création d'une nouvelle application Angular. Pour cela, sous Visual Studio Code, je vais utiliser la ligne de commande qu'on pourrait la trouver sous View Integrated Terminal ici. Donc, je vais utiliser la commande ng new pour créer un nouveau projet que je vais l'appeler Angular App. Une fois le projet est créé, on va l'ouvrir sous VS Code, donc en utilisant ici Open Folder, puis Demo, là où j'ai placer mon projet open. Donc là maintenant je peux voir tous les fichiers pour mon application Angular. Je veux réouvrir le terminal sous VS Code. Et ici je vais essayer donc d'exécuter mon application Angular. Donc on va faire ng serve-o pour s'assurer que l'application elle tourne convenablement en localhost. Donc on peut vérifier ici localhost sous le port 4200. Si je vais sur le navigateur, je peux voir ici donc qu'elle est en train de s'exécuter. Par la suite, donc au lieu de compiler et exécuter l'application Angular sur ma machine directement, je vais utiliser des images Docker. Donc ici j'ai bien Docker installé sur ma machine, sinon on peut l'installer sur docker.com. Et pour commencer à utiliser Docker, donc on va créer un Dockerfile. Pour cela, je vais aller sur mon application ici, sur le projet principal, et ajouter un nouveau fichier qu'on va appeler Dockerfile. Donc Dockerfile, c'est le fichier qui va contenir toutes les instructions nécessaires pour compiler et créer les images pour l'exécution d'une application Angular. Donc là, je vais utiliser un exemple de Dockerfile fait pour les applications Angular. Donc pour cela, je vais utiliser la code snippet Dockerfile Angular. Et là, on voit bien, donc on a deux étapes principales décrites dans ce fichier Dockerfile. Donc la première étape ici, c'est l'utilisation d'une image Node qui est disponible sur Docker Hub. Donc Docker Hub, c'est l'emplacement où on héberge nos images Docker. Donc c'est comme si c'est GitHub pour les images Docker. Après, on va setter le working directory /app et on va utiliser la commande copy. Donc on va l'exécuter pour lui demander de copier le contenu du dossier actuel qui est ici mon projet Angular. Donc elle va copier tous ces fichiers et dossiers dans le container. Où il va le mettre dans le container?
Donc c'est dans le Working Directory. Il va le mettre sous slash app. Ensuite, ce qu'il va faire, il va exécuter la commande run npm install pour exécuter donc toutes les dépendances de npm. Après ça, on va utiliser aussi, on va exécuter la commande npm une autre fois, mais celle-ci c'est pour générer le dossier 10 qui contient les composantes qui vont être déployées sur Angular. Par la suite, on va aller sur l'étape numéro 2. Donc, si l'étape numéro 1 elle consiste à compiler et à générer une image Docker pour le build, la deuxième étape, elle consiste donc à prendre les résultats de la première exécution. Donc, il va prendre les dossiers générés qui contiennent les composantes à déployer et il va les déployer sur la deuxième image ici qui est Nginx, qui est aussi donc disponible sur Docker Hub. Donc, à partir de cette image Nginx, donc, il va utiliser ici la commande copy pour copier from node. Donc, node ici, ça vient d'où? Donc, c'est un alias qui pointe sur la première image Docker. Donc, pour prendre ici le contenu du dossier slash app slash 10 à partir de la première image Docker. Donc, c'est, on a dit dans la première image Docker, il y a slash app. Il va prendre donc le contenu du slash 10. Donc, puisque ici, tous ces contenus, elle va être dans slash 10. Puis, elle va donc le copier dans user share nginx html qui est un chemin relatif à la deuxième image nginx. Et si vous verrez bien ce nom de dossier your app name, donc ici en fait on doit le changer parce que avant Angular il déploie les fichiers de déploiement sous le dossier dist directement. Mais là, dans récemment, avec Angular, il va les déployer sous les dossiers, sous un autre dossier en fait, qui porte le même nom que le nom de mon application. Donc, comme on peut voir ici, il y a un sous-dossier sous le répertoire dist. Donc, cela est dû que, en fait, dans la configuration de angular.json, donc le output path, il pointe sur donc dist slash le nom de mon projet. Donc soit j'enlève le nom du projet, soit je le laisse ici, mais dans Dockerfile, je dois prendre en compte cette modification. Donc je vais l'utiliser ici pour lui dire tu récupères les fichiers de déploiement à partir de cet endroit là et tu les copies sur la deuxième image Docker. Maintenant qu'on a configuré Dockerfile, on est prêt à builder l'image. Pour builder l'image, donc on va utiliser la commande docker build. Mais docker build, donc elle vient avec d'autres paramètres qu'on doit les configurer et parfois donc on ne se souvient pas de ces paramètres. Pour cela, VS Code, il vient donc nous aider pour configurer les différents paramètres de Docker build. Donc si je vais sur commande palette, là j'ai cette fenêtre qui me demande donc qu'est-ce que je veux utiliser. Donc là je vais lui dire je veux voir donc la commande Docker. Et là il me sort tous les commandes relatives à la commande, ou tous les paramètres relatifs à la commande Docker. Là, je vais utiliser Docker pour build image. Donc, je clique sur build image et là, elle me dit quel fichier Dockerfile tu veux utiliser. Donc, parce qu'en fait, la commande Docker build, elle va prendre la configuration à partir d'un fichier Dockerfile. Donc là, il a détecté le fichier Dockerfile dans mon application ou dans mon projet Angular. Donc je vais le sélectionner et ensuite il me dit tu peux choisir un tag pour ton image. Là, lui il choisit par défaut le nom du projet. Il met le tag latest. Je vais le choisir, ok.
Je clique sur Entrée et là, donc, il a généré la commande qui est ici, donc Docker build -rm-f Dockerfile -t le tag pour spécifier donc les noms de l'image Docker qui est ici Angular app/latest. Donc, il a commencé à exécuter les différentes étapes décrites dans Dockerfile. Donc, il a commencé par la première, la deuxième pour setter le working directory, la troisième pour faire copier le fichier actuel sur l'image Docker. Puis, il a exécuté npm install, puis npm build, puis il a donc basculé sur la deuxième étape. Donc, il a généré ici tous les fichiers nécessaires pour exécuter l'application Angular. Il les a copiés de l'ancienne image Docker vers l'image nginx. Et il me dit ici qu'il a bien tagué la nouvelle image en utilisant le nom Angular app.latest. Donc, maintenant, une fois qu'on a généré l'image, maintenant, on veut l'exécuter. Pour l'exécuter, je vais aussi utiliser la commande palette. Et je vais chercher ici docker run. Donc, j'ai ici docker run. Donc, je vais la sélectionner. Et après, je dois choisir donc l'image docker que je veux exécuter. Là, sur ma machine, j'ai plusieurs images docker. Et là, je vais choisir celle qui correspond à mon projet que j'ai déjà créé maintenant. Angular app/latest. Donc là, il a généré la commande docker run -rm-d pour dire exécuter en mode daemon, -p pour donc mapper le port 80 de la machine hôte sur le port 80 de docker. Il va donc exécuter la machine angular-app.latest. Pour voir le résultat de l'exécution sous ce conteneur, donc on va aller sur sous localhost 2.80. Donc je vais aller à localhost 2.80, je vais entrer et là j'ai mon application maintenant qui se tourne sur une image Docker. Ensuite, on va publier le code source de l'application sous GitHub pour qu'on puisse ensuite donc configurer le CI et CD avec VSTS. Pour cela, je vais à Docker GitHub, je vais créer un nouveau repository, je vais l'appeler demo Angular app. Créer le repository. Puis je vais utiliser ces commandes avec VSTS pour publier mon code. Donc je fais git add pour ajouter le fichier Dockerfile qui vient s'ajouter à mon projet. Puis j'utilise les commandes de GitHub pour en fait donc créer le commit et le publier sur GitHub. Si je reviens maintenant sur GitHub, je fais refresh. Là, je vois bien mon projet qui est déployé. Puis, la quatrième étape, c'est de créer le process de Continuous Integration avec VSTS. Ici, donc, je suis logué sur mon compte VSTS. Je vais créer un nouveau projet que je vais l'appeler Demo Angular App. Je vais le créer. Pour créer le CI Pipeline, je vais aller sur Build, sur la menu Build ici. Et je vais exécuter a New Definition pour créer le pipeline. Donc ici la première étape, elle consiste à récupérer les codes sources de l'application. Donc là je vais sélectionner GitHub puisque je l'ai publié sur GitHub. Je vais exécuter authorize using OAuth. Donc ça donne une autorisation de VSTS pour GitHub en fait pour que VSTS puisse récupérer les codes mais aussi pour que GitHub puisse notifier VSTS qu'il y a une nouvelle version du code ou un nouveau check-in. Donc, le fait qu'on a connecté sur GitHub, on peut maintenant donc choisir le répertoire ou le repository qu'on veut utiliser. Donc là, mon repository, je l'ai appelé demo Angular app. Voilà, je l'ai maintenant. Donc, je vais me connecter sur la seule branche qui est master déjà. Je vais continuer et ici donc VSTS il me propose plusieurs templates pour configurer la continuous integration pour cette application Angular. Donc là je vais
chercher Docker. Donc, j'écris Docker ici. Ici, donc, on a la tâche ou la task pour Docker. Je fais Apply. Et ça donne donc ce process là où on me demande quel agent tu veux utiliser pour donc publier, pour exécuter les deux pipelines de CI et CD. Donc là, je veux choisir une image hosted VS 2017, par exemple. Puis, Get Sources. Donc, on va encore utiliser GitHub. On va pointer sur le repository qu'on veut utiliser. Donc, c'est Demo, Angular App. Et je fais Select. Ensuite, donc dans la phase 1, donc on a les deux tâches pour faire le build et le push de l'image. Donc pour le build de l'image, ici, on pourrait choisir entre Azure Container Registry, ACR, ou Docker Hub. Pour Docker Hub, donc je dois choisir ici Container Registry. Donc ici, je dois me connecter sur Docker Hub afin que dans la tâche numéro 2, afin que je puisse donc publier mon image Docker sur Docker Hub. Pour cela, donc je vais cliquer sur New, et là donc j'ai cette fenêtre, donc je vais sélectionner Docker Hub, et je vais mettre le nom de cette connexion, je vais l'appeler par exemple Docker Hub Connection. Donc, je choisis le nom de mon compte sur Docker, ou mon Docker ID, qui existe ici. Donc, si je vais sur mon propre compte sur Docker, donc c'est bien ce nom qui existe sur l'URL. Puis, je mets mon mot de passe pour ce compte, et je peux vérifier si j'ai bien saisi les bonnes données ou pas. Et donc, voilà, c'est bien les bonnes données. Je vais cliquer sur OK et là, donc j'ai pu me connecter sur mon Docker Hub account. Donc dans cette étape, ce qu'on va faire, c'est build an image. Pour cela, donc je peux choisir ici entre les différentes actions et là, ce que je veux faire premièrement, c'est bien builder l'image Docker. Pour la builder, donc on a besoin du Dockerfile qui contient toutes les instructions pour le build. Pour cela ici, donc, on a cette syntaxe, les deux étoiles, puis le anti-slash Dockerfile. Donc, cela veut dire, tu peux aller chercher dans ma solution, tu peux aller chercher tous les fichiers qui s'appellent Dockerfile. Donc, dans mon projet, il va les trouver puisque j'ai déjà un seul Dockerfile dans mon projet. Dans le cas où vous utilisez plusieurs Dockerfiles, donc ce sera bien utile de spécifier plus donc les noms du fichier Dockerfile. Ensuite, pour le image name ici, donc ça ce n'est pas en fait la bonne configuration par défaut faite par VSTS, parce que ici pour les projets venant de GitHub, donc ce paramètre là, le repository name, ça va être remplacé par le nom de mon projet sur GitHub, précédé par le nom de mon compte sur GitHub, c'est-à-dire il va le remplacer par tout ça, resemblai/demo-angular-app. Alors que pour le nom de l'image ici, ça doit commencer par le nom de mon Docker ID, c'est-à-dire ça doit commencer par cet ID-là sur Docker Hub. Donc je dois prendre celui-ci, le copier, et le remplacer ici, donc au lieu d'utiliser le nom du repository, je vais utiliser le nom de mon Docker ID, puis slash et le nom de mon image Docker. Là, je vais mettre demo Angular. Puis deux points, le tag. Donc le tag ici, c'est le build.buildID. Donc ça, c'est une variable définie par VSTS qui correspond au numéro du build fait par VSTS. Donc à chaque fois, VSTS il va incrémenter cette variable pour donner, donc pour identifier les différentes builds exécutées sur VSTS. La deuxième tâche dans cette pipeline, c'est le push an image. Donc celle-ci,
Ce qu'elle va faire, c'est récupérer la première image générée à partir de la tâche de build et elle va donc la publier sur Docker Hub. Pour le faire ici, donc, on pourrait encore utiliser soit Azure Container Registry, soit Docker Hub, donc en sélectionnant Container Registry. Puis, je vais sélectionner mon compte Docker Hub que j'ai déjà configuré dans la première tâche. Donc, pour cela, j'ai ici Docker Hub Connection. Puis, l'action, donc, c'est bien push an image pour publier l'image sur Docker Hub. De même ici pour le image name, donc ça doit correspondre en fait au même nom que j'ai utilisé pendant la première tâche. Donc pour cela, je vais revenir sur la première tâche et copier le même image name que j'ai déjà utilisé. Donc je vais faire copier et réutiliser le même image name. Donc c'est tout le nécessaire en fait pour builder et publier une image Docker à partir d'une application Angular. Pour la tester, je vais ici sur Save and Queue. Donc, je vais l'enregistrer et le placer dans un queue pour être exécuté par un agent ici, VSTS 2017. Donc, il va lui prendre ces deux tasks et exécuter les commandes dans ces deux tâches. Donc, ici, on a un lien pour voir les consoles d'exécution de ces deux tâches. Donc là, il a commencé par initialiser l'agent pour le préparer à exécuter la CI pipeline. Puis, get sources, donc il va récupérer le code source de l'application sur GitHub. Puis, il a commencé l'étape de build image. Donc là, il va exécuter la commande Docker build pour exécuter toutes les commandes qui existent donc dans le fichier Dockerfile. Une dernière étape avant d'exécuter la chaîne CI ici, c'est d'aller vers Process. Ici, donc, on doit en fait changer les hosted VS 2017 parce que celle-ci, elle utilise une machine Windows pour créer l'image Docker. Donc, au lieu d'utiliser ça, on peut utiliser Hosted Linux Preview. Ou pour mon cas ici, je vais utiliser un agent privé que j'ai déjà créé. Donc, je vais utiliser macOS OSM. Sinon, vous pouvez utiliser Hosted Linux Preview. Puis, je vais sur Save and Queue. Save and Queue. Et là, donc, il va commencer l'exécution du CI pipeline. Là, il me fournit donc un lien pour voir l'exécution ou voir le fichier console et log de l'exécution de tout le pipeline. Donc là, il a commencé par initialize job qui va préparer l'agent pour exécuter le pipeline, puis get sources, donc il va contacter GitHub pour faire clone du source code à partir de GitHub vers l'agent, puis build an image, celle-ci, donc il va exécuter la commande docker build afin de générer l'image Docker sur l'agent. Donc on voit bien ici que l'exécution a été faite avec succès, donc le build et le push de l'image vers Docker Hub. Pour cela, donc si je viens ici sur Docker Hub, je fais rafraîchir. Donc je dois maintenant voir l'image que j'ai générée et j'ai publiée. Donc c'est celle-ci, Docker Demo Angular. Si je vois le tag, donc ça correspond bien au tag généré sur VSTS. Enfin, maintenant qu'on a l'image publiée sur Docker Hub, on va créer le process de CD qui va prendre cette image sur Docker Hub et la publier sur une web app sur Azure. Pour cela, je vais sur VSTS, je vais cette fois sur la menu Release, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour créer mon pipeline de CD. Je clique sur New Definition. Et ici, VSTS me propose plusieurs templates pour donc, publier l'application Angular. Donc là, je vais choisir Azure App Service. Donc je vais cliquer sur Apply. Je laisse ce config par défaut. Et là, donc, il y a en fait deux étapes. La première, c'est choisir l'artifact ou d'où je peux récupérer le fichier de déploiement.
Donc là, on a plusieurs étapes. Soit on le récupère à partir du build précédent, c'est-à-dire à partir du résultat de la CI. Mais la CI ici, donc elle a publié l'image sur Docker Hub. Donc nous, on doit choisir la source de déploiement à partir du Docker Hub. Pour cela, on a ici Docker Hub. Donc avec l'option de Docker Hub, on peut donc se connecter sur Docker Hub. Donc encore, on choisit en utilisant la Docker Hub Connection que j'ai créée déjà dans le process de la CI. Puis on choisit donc le namespace qui est ici mon Docker ID. Et puis on choisit le répertoire d'où en fait on veut récupérer notre image Docker. Parce que comme on a vu sur mon répertoire sur Docker Hub, j'ai déjà plusieurs images. Donc moi, je vais utiliser cette image-là que j'ai créée, que j'ai publiée. Donc je vais la sélectionner qui est Docker Demo Angular. Je clique Add pour confirmer. Et là, il me reste donc la deuxième, c'est de configurer la tâche en elle-même. Donc je clique là-dessus et là, je dois configurer l'environnement. Donc là, je dois choisir mon inscription Azure. Donc je vais choisir Visual Studio Ultimate avec MSDN. Je fais Authorize. Donc pour autoriser VSTS à contacter Azure pour lui envoyer l'image Docker à publier sur la web app. Maintenant, il me reste que donc choisir le type de l'application que je vais publier. Donc, puisque c'est Web App for Container, donc on doit choisir ici Linux App. Puis, sur la liste déroulante, donc je dois avoir le site que j'ai créé. Je ne l'ai pas encore créé, donc je vais le créer tout de suite sur mon portail sur Azure. Donc, je vais sur Create et Ressources. Je choisis ici Web. Je choisis ici donc la template Web App for Containers. Et à partir d'ici, donc je peux configurer le app name. Donc je vais l'appeler Demo Angular. Puis donc je dois configurer ici le container. Je clique là-dessus. Et je dois dire donc par défaut c'est sélectionné Docker Hub. Mais on peut aussi utiliser Azure Container Registry. Donc pour Docker Hub, je dois donc préciser le nom de l'image à utiliser avec le Docker Hub ID. Donc pour moi, c'est mon Docker ID slash le nom de l'image à utiliser. Donc je vais la récupérer ici. Ici, la web app, donc elle va prendre cette image et la déployer, mais ensuite, VSTS, donc il va la changer, donc il va lui-même déployer sa propre image à partir de Docker Hub. Donc celle-ci, elle sert juste à démarrer la web app. Je fais OK, pin le dashboard et j'ai créé mon application Web App for Containers. Une fois que la web app elle est créée, donc on peut maintenant revenir sur VSTS. Faire rafraîchir pour prendre la nouvelle liste des applications que j'ai sur mon compte. Et là, je choisis donc Demo Angular 1. Je dois préciser encore ici donc les noms de mon Docker ID, qui est ici donc Docker, un Docker, puis le nom de l'image. Je clique sur Enregistrer, OK. Et puis pour créer une nouvelle release, donc je vais ici Create Release. Et là, donc, VSTS, il va voir l'étape précédente qui est la CD ou la CI et prendre l'output de celle-ci, donc qui est le version ID. Donc, puisque le version ID ici, il va être utilisé comme étant le tag de mon image. Donc, je vais faire Create. Et maintenant, donc, on a la release qui commence son exécution. Pour donc récupérer l'image à partir de Docker Hub et la publier sur la web app sur Azure. Pour le moment, donc si on va sur la web app, on fait Browse. Donc on va voir que ça donne Service Unavailable. L'étape de la release a commencé et ici on peut voir le output à partir
de la console sur l'agent. On voit bien que le déploiement a été fait avec succès sur la Azure Web App. Donc, si je reviens sur la Web App, je vais rafraîchir. Ici, on voit notre application Angular publiée sur Azure. Mais là, donc, on a lancé la publication d'une manière manuelle puisqu'on a cliqué sur le bouton Release. De même, on a lancé l'intégration continue d'une manière manuelle avec le bouton Queue ou le bouton Save and Queue. Mais on peut en fait automatiser tous ces process. Donc à partir d'un commit, on peut lancer l'étape de la CI. Et puis l'étape de la CI, si elle est exécutée avec succès, elle va elle-même lancer l'étape de la CD ou l'étape de la release. Pour le faire, donc je vais sur l'étape de la CI. Je vais sur Triggers et à partir d'ici, donc, on a cette case à cocher qui dit Enable Continuous Integration. Donc, je la coche et à partir d'ici, donc, si je fais maintenant Save, seulement sans faire Save and Queue, donc ça va enregistrer la modif. Donc, maintenant, si je fais un commit, il va donc lancer le Continuous Integration. S'il se termine avec succès, il va donc lancer le déploiement. Si le déploiement, lui aussi, il accepte d'être lancé d'une manière automatique. Donc, pour le faire pour le déploiement aussi, donc je vais aller sur l'étape de la release. Pour la release, donc on n'a pas une menu triggers, mais par contre, on peut le configurer à partir de cette icône là qui dit ici donc Continuous Deployment Trigger. Donc, je clique là-dessus et là, j'aurai l'option de Continuous Deployment Trigger. Donc, je le fais Enabled et j'enregistre les modifs. OK. Puis maintenant, pour tester l'ensemble de la CI et la CD, je vais revenir sur VS Code et je vais faire une petite modif donc, dans les dossiers sources, dans les fichiers index.html ou plutôt dans app-component.html. Donc là, je vais changer les messages qui dit Welcome to Title. Je vais mettre en parenthèse CI/CD. Je vais enregistrer les modifs et les publier sur GitHub. Donc maintenant GitHub, en recevant la nouvelle version du code, donc il va notifier VSCS qui est la nouvelle version et donc VSCS il va lancer l'étape de la CI. Pour cela, si je vais sur Summary ici, donc je peux voir qu'il y aura une tâche qui est en train d'être exécutée. Donc évidemment là, on a cette tâche là en train d'être exécutée. Je peux cliquer sur ce lien pour voir donc la console d'exécution de cette tâche. La build donc a été lancée d'une manière automatique suite à un nouveau check-in sur GitHub. Une fois que la build a été faite avec succès, on peut aller sur la release pour voir les différentes releases. Et là, on va voir qu'il y aura donc une release en cours. Évidemment, ici, si je double-clique là, je peux voir qu'il y a une release qui est en train d'être exécutée suite à l'exécution avec succès de la build. Donc la build a publié une nouvelle image sur Docker Hub. Si je vais sur Docker Hub ici, sur Tags, je vais voir donc il y a une nouvelle image avec une nouvelle tag qui s'est ajoutée. Donc maintenant la release, elle va prendre cette image de taille 9 mégas et elle va la déployer sur Azure, sur mon site Angular. Donc ça a été fait avec succès. Donc maintenant si je vais sur mon application Angular, donc, on va voir ici le titre qui va se changer si je fais rafraîchir parce qu'il a pris la nouvelle Docker image qui contient les nouvelles modifications. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci!